Oh, je suis chaud patate, les gars! C'est le moment, la découverte, ou du moins la redécouverte de Pokémon Diamant et Perle. En l'occurrence, ici, Pokémon Diamant. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Oh là 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 là, je vais chialer, putain, je vais chialer! Je vais chialer! Oh, et, oh là la musique, les gars. Mon nom est Sorbier. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Un Gwynfrex. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines... Vivre dans un donjon. Vivre dans un donjon. C'est difficile. Une vie... C'est honteux. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien. Maintenant, parle-moi un peu de toi. Alors, bah comme ça en vrai, on est très très bien. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Pepene ! C'est moi, Pepene ! Tu me connais ou pas ? Je suis Pepene ! Voilà, excellent, j'adore. Tu t'appelles Pepene ? Bien sûr, c'est moi. Il m'a reconnu. Incroyable. D'accord, Pepene. Quel joli prénom, merci. Oh, et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Non, 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 ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Je l'appelle Grande Mèche. René ! On va l'appeler René. Oh mon René. Mais on va l'appeler Grande Mèche en fait. Mais les gars, regardez-moi sa coupe. En vrai, Grande Mèche, non ? Tu t'appelleras Grande Mèche. Et puis c'est tout. Le grand moment est arrivé, Pépène, eh oui. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Bien sûr. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon ! Let's go. On y va. Je suis excité. Oh là 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 là. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Incroyable. Ah, c'est la télévision, regardez-moi ça. Oh, c'est joli en vrai, c'est propre. Hein. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Félix Télé sur le réseau national. Incroyable. C'est incroyable les gars, je... Pépéné. Oh, Grande Mèche te cherchait tout à l'heure, oui. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Très bien, maman. Magnifique, le vénère. Ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. D'accord, maman. Ce serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas, puisque tu es une grosse merde, Pépéné. Eh bien, fais attention à toi. Allez, on y va. D'ailleurs, petite astuce, si tu sais pas ce que donne un plat de pâte à un Évoli, il évolue en... Il évolue en ravioli, excellent, excellent, j'adore, j'adore. Un Théo pour monsieur, s'il vous plaît, merci. Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Cette maison-là, j'imagine. Allons-y. Boum ! Il m'a fait peur, Grande Mèche. Bonjour à toi, Grande Mèche, comment vas-tu ? Tu as une jolie écharpe verte. Hein ? Qui va là ? Oh, c'est toi, Pépéné ! Oui, c'est moi. Eh, hey, je vais au lac, alors viens avec moi. Et ne traîne pas, hein. Zut, j'ai oublié un truc, oui. Allez, je vais au lac. Salut, au revoir, bande de noobs. Encore ? C'est pas possible. Alors, je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Oh, il a... Mais attends, il avait une Switch ! Mais attends, il avait une Switch, le mec ! Ma parole, c'était une Switch. C'est mal la taille de la maison. Allez, on se casse. Grande Mèche est là. Coucou à toi, Grande Mèche, comment vas-tu ? T'as vu l'émission qui est passée à la télé ? Oui, oui, j'ai vu, ouais. Tu sais, c'est celle de sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac, ouais. La recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir, je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche, pas de soucis, on y va, allez. Tiens-moi la main. Allez, à la chasse du Pokémon. Et là, attention, mesdames et messieurs, parce que on ne va pas... Hop là, tac. Et on va faire... on va faire R. Comment c'est où R ? C'est là. Sauvegarder. Oui. Vous savez pourquoi, les amis ? Parce que c'est juste derrière que... Alors, juste... Tac, à la rigueur, rapide. Voilà. Parce que là, on va tenter, les amis. On va tenter choper un shiny. Donc, on va faire ça un peu en boucle pour le moment. Bon, jusqu'au moment où ça va me saouler. Et puis, tant pis, tu vois. Mais bon, on va tenter pour au moins pour les premières fois d'avoir un shiny. Donc, je sais pas combien de fois on va le faire. Voilà, jusqu'à que ça me saoule en vrai. Mais j'ai envie quand même de tenter. Alors là, j'ai tout skip parce que dans tous les cas, je vais le refaire à plusieurs reprises. Parce que, à mon avis, je vais pas avoir le shiny directement. Je t'aime bien, mais je t'avais déjà pris à l'époque. Donc, on va prendre Tipouf. Alors, shiny ou pas shiny ? Là, il est shiny directement, les gars. Ah, s'il est shiny directement, mais attends, mais je me mets à Walp, quoi. J'ai pas pris trop de risques à dire que j'allais me mettre à Walp. Oh la musique. Mais oui, parce que ça on l'a pas vu du coup ça. Écoutez. Oh là 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 là.
Oui, mesdames et messieurs, oui. Ça, on l'avait pas vu puisque... Si, c'est comme... rappelle-toi. Moi, j'ai vu des vidéos comme quoi c'était pas ça, hein, Riden. Va voir quand même, mais il me semble que non. Oh les gars, les frissons là, les gars. C'est énorme en vrai. J'avoue que les meilleures musiques sont sur... Ouais, mais les gars, les... Hein, franchement, cette version est incroyable. Je vais y jouer, mais pas supprimer ma partie de DS. Qu'est-ce que c'est, les gars? Et là, attention. Et le gars. Let's go. Allez, dernière chance d'avoir le Pokémon Shiny. Si on ne l'a pas, eh ben fuck Tiplouf en fait. Hop là, tac. Le petit Tiplouf qui part. Et là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne directement là. Dans tous les cas, même si c'est pas la bonne, on s'en fiche d'avoir Tiplouf Shiny ou non. Ce n'est pas grave. On aura un joli Pingoléon à la fin. C'est ça qui compte. Allez, je vais faire à cette étourmie des dégâts faramineux. Pas du tout. Une attaque normale, comme d'habitude. Évidemment, je ne peux pas l'attraper puisque je n'ai pas de Pokéball. Hop là, écrase face. C'est terminé, étourmie. Alors, ouh, 12 XP. Waouh, ton petit plouf a assuré. Merci, grande mèche. Enfin, mon dordibouf... Et il a tortipouf. Il a tortipouf. Mais il a tortipouf. Mon tortipouf était à deux fois plus fort. Mais comment tu te la pètes en fait? Mais ils sont pas à nous ces Pokémon. Ah bah si en fait, ils sont à moi là. Mon tortipouf pas shiny à assurer. Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdu. Mais vous avez utilisé les Pokémon? Oui, Aurore, j'ai utilisé tortipouf non shiny. Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Où est mon petit plouf shiny? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Oh. Hop, esquive, hop. Hop, et hop, hop, et... Encore le vieil homme. Ah, le vieil, attends, on va faire la voix du vieil homme. On dirait qu'il nous regarde. Aurore m'a dit que vous y aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Plouf et Tortipouf. Oh, je vois très bien. Aurore, retourne au labo. D'accord. Attendez-moi, professeur, j'arrive. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. À plus tard. Oh non, pas ça. Pas 5 minutes d'ASMR, là non, pas de suite, comme ça. Quoi de neuf, mon Lolo? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oh, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Grande mèche et toi, être sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de... Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas. Va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Au revoir, Pépéné. Je t'aime, mon fils. Oh! T'es pas sûr de sport, maman, pour Noël? Ah, maman. C'est le plus beau cadeau qu'on m'a jamais fait. Oh là là, il court Waouh.
Très belle coupe, madame. Bonjour. Comment ça va? Bon, mais c'est pareil, ils sont partis de l'autre côté, alors excusez-moi. Oh, il est shiny! Il est shiny! Pas du tout. Alors... on n'a pas de Pokéball en plus, là. C'est pas ce que je me disais, j'ai pas de Pokéball, ouais. J'avoue, je voudrais trop le seum s'il était shiny, t'imagines? Il est shiny! Ouais, mais j'ai pas de Pokéball, en fait. C'est triste. Boum! Ce vieil homme est... Tinanambo, vas-y, hop. Ah, voilà. Si je compte acheter Pokémon, je me fais spoil, là. Enfin, comment... Alors, te faire spoil d'un jeu qui date de 15 ans... Bon! Comment te dire, Audrey? Ben là, je me suis fait spoil, hein, parce que j'ai joué à la première version, donc... Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Merci. Maintenant, s'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Alors, c'est parti, c'est le moment de donner des surnoms, les gars. Comment appelle-t-on à Tiplouf? Kinder... Oh, j'adore! Allez, hop. Ça part. Non, merde! Oh, non! Ouf, putain, j'ai eu peur. Kinder, on va l'appeler. Ce Tiplouf s'appellera... Kinder! Allez, donne-moi le Pokédex, s'il te plaît. Donne-moi le Pokédex. Oui, le Pokédex! Le Pokédex! Écoute, Pépéné, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse et que je suis l'assistante du professeur, je vais te servir de guide. Ok. Allez, suis-moi. D'ailleurs, attends, comment ça donne, là, les couleurs, là? Ah merde, mais je peux pas voir. Est-ce que vous trouvez les couleurs assez vives ou pas? Ça fait mal aux yeux ou pas, là? Par exemple, le rouge, là, qu'il y a là. C'est vif, on est d'accord. Trop vive. Oui, ok. Alors attendez. Ah non, c'est bon, c'est là, parfait. Alors, oula. Oh mais attends. Mais pourquoi c'est devenu violet d'un coup? Ah, mais... Alors, j'ai absolument rien touché, mais ok. Et what the fuck, mais pourquoi ça fait ça? Mais attendez les gars, j'ai rien touché, hein. C'est quoi ces conneries? Une pépénée. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Je débranche pour voir, mais... Oh my god! Oh mon dieu, je ne touche plus à rien. Je ne touche plus à... Un pépéné. Je suis heureux comme un enfant. Et là, je remets le jeu, ça marche. Pépéné. Bonjour madame, comment ça va? Bien, la forme? Ouais, moi je sortais d'une dépression là, juste à l'instant. Bah en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé, j'étais tout rose, donc incroyable. C'était vraiment incroyable. Au bout d'un moment, j'ai cru que j'étais shiny en fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, on va continuer les aventures après ces péripéties. Tu devrais dire à ta famille... Ah oui, d'accord, ok. Note d'aventure. Allez, c'est parti. Oh, un joli chapeau. Magnifique. Voilà, mon fiston, tu es magnifique avec ce joli chapeau. Va-t'en maintenant. Allez, casse-toi. Va travailler. Allez, on va attraper notre premier Pokémon, évidemment. Il sera, je vous laisse répondre à cette question. Il sera shiny. Pas du tout. Est-ce qu'on va vraiment attraper ce Pokémon? Bah, malheureusement, oui, hein. À savoir que dans ce Pokémon-là, normalement, attraper des Pokémon te permet de d'XP, hein. Alors que dans les anciens, c'était pas le cas, hein. Ça marche, Brandon, pas de soucis. C'est bien, car ça fait 10 combats, j'essaie d'avoir et tombé. Ah bon, pourquoi t'arrivais pas là-bas? Notre premier Pokémon, qui n'est rien d'autre qu'un Kunotor. Oh, il apprend pistolet à eau. Énorme. Coucou, Kunotor. On va t'appeler Kundan. Voilà. Kundan. Alors, rejoins votre équipe. Super. Allez, Étourmi. Attention, Étourmi. Tu es à moi. Oui. Allez, c'est parti, les gars. On va l'appeler si tu n'as pas d'aile. On va voir, on va tester, mais je pense que c'est trop long. Si tu n'as pas d'aile. Ah, quoique, peut-être que c'est possible, hein. Si, je pense que c'est possible. On va tenter. Hop là, oui. Je pense que ça marche, hein. Si tu n'as pas... Oh ouais, ça passe. Je peux même l'écrire... Ouais, comme ça. Si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Alors, encore un étourni. Bon, ben lui, on va juste le défoncer, en fait. Oui, Sikram. Imaginez juste une seule seconde, hein. Imaginez juste une seule seconde que elle avait Sikram shiny. J'aurais le seum.
Mais qu'est-ce qu'elle essaye de me montrer là? Comment attraper un Pokémon? J'en ai déjà attrapé deux. Espèce de grosse noobs. Merci beaucoup. Ah mais non, elle me donne des Pokéballs. Le seum, j'en avais acheté juste avant. Merci beaucoup pour ces Pokémon, ces Pokéballs horreur. C'est gentil. Vraiment un amour cette fille. Et il y a aussi des Lixi. Ah ouais, il y a des Lixi ici. Un peu plus rare alors, non? Parce qu'il y a des Lixi par contre, je vais tenter d'en avoir un. Parce que c'est trop bon quoi. Oh my god. Oh my god. Dès que je vais dans le chat et des subhypes pour PH qui se réserve pour le 15e mois consécutif, les amis. Énorme. Incroyable. Pingoléon plus grand que All Starter Ever, n'en déplaise au rageux bisou Iyashi. Bisous sur la fesse, il a dit. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Je vais totalement, eh bien, aller soigner mes Pokémon. Merci d'avoir soigné mes Pokémon, belle chevelure. Bon, on va essayer, on va tenter d'avoir un Lixi, les gars, parce que c'est l'objectif, en fait. Pourquoi on a que des Conotors, putain? Oh, level 4 pour mon si tu n'as pas d'aile. Incroyable. Et mon Cunedent qui est toujours level 4, c'est dégueulasse. Ça me répugne. Lixi! Mon amour! Mon amour! C'est Lixi, les gars! Ah, mon petit Lixi, tu viens dans mon équipe. Bon, comment on l'appelle, les gars? Grosse oreille. Comment on pourrait le voir? Est-ce que ça marcherait ou pas? Là, c'est pas mal, non? Grosse oreille. Suivant à quel rythme t'avances, quoi. Notamment, vous allez attendre longtemps. Oh! Yes! Let's go! Let's go! Le dernier Pokémon que je voulais de cette zone. Parfait. Oh là, j'ai cru que j'allais le tuer, putain. J'ai eu peur. Allez, let's go, je vais pouvoir l'attraper. C'était le dernier Pokémon que je voulais, ensuite on va enchaîner sur l'autre zone. Allez, rentre. Voilà, parfait. Babos. Ok, ça c'est fait. Bon, mais là on est bien. Et mais même dis-toi, je suis même deg parce que je ne pourrais pas. Enfin, ils ont fait remaster de Ruby et Saphir. Mais c'était sur, il me semble, 3DS, non? Si je dis pas de bêtises, bon moi je n'ai pas la 3DS donc j'ai pas pu y jouer. Mais franchement si je l'avais eu je pense que j'y aurais joué parce que moi j'ai kiffé. Donc ça c'est mort tu vois, je pense qu'ils le referont pas sur Switch. C'est vraiment dommage parce que moi j'avais kiffé hein. Les Pokémon de la 3ème génération pour moi font partie des best tu vois. Rayquaza et tout genre c'était monstrueux. Bon là en l'occurrence ils vont y être hein, sur ça, je crois qu'ils vont y être. Alors je sais pas s'il y aura Groudon et Kyogre. Mais Rayquaza il y est hein, sur Diamant. Alors je sais pas comment l'obtenir. Mais après bon c'est un remaster. Après bon déjà niveau graphisme c'est quand même totalement différent. L'histoire en elle-même je pense pas qu'elle va bouger. Elle va bouger. Il y a certains trucs qui vont bouger je crois. Mais bon de toute façon je vais pas spoil. Mais il y a certains trucs qui vont bouger. Mais c'est très très léger. L'histoire en elle-même reste la même. En termes de Pokémon... c'est là où ça va changer, c'est les Pokémon que tu vas pouvoir avoir en fait. Parce que par rapport au premier, ça va être totalement différent. Tu vas avoir beaucoup plus de Pokémon. De mémoire, par exemple, tout ce qui va être Lugia, Ho-Oh, de mémoire, on les avait pas. Enfin, hein. Je dis pas de bêtises. Je crois qu'on avait les oiseaux. Je crois que les oiseaux c'était possible, mais là avec ces nouvelles versions, on va avoir les trois oiseaux, on va avoir les trois chiens. Bon, ça dépend de la version, mais je veux dire qu'on peut totalement, se les échanger entre nous, etc. Faut avoir complété le Pokédex, ok. Ouais, voilà. Mais c'est possible de l'avoir. Groudon et Kyogre, je sais pas. Après Jirachi et Mew, ils sont possibles. On peut les avoir aussi. Et le nouveau Pokémon, oui, j'y jouerai. Même s'il me hype moins, j'y jouerai quand même. Et je le streamerai. Hein. La dernière version auquel j'ai joué, que je n'ai même pas terminé, c'était Pokémon épée. Franchement, c'est nul en fait. Vraiment, hein, ce Pokémon-là, pour moi, il est au-dessus en fait. Mais vraiment, de par les Pokémon, de par l'histoire, enfin vraiment, c'est vraiment au-dessus. Il évolue avec combien, Tipouf? Level 15, un truc comme ça, non? Un truc du genre, hein, 15-16, je pense. Ouais, épée bouclier, ils nous ont vendu du rêve, au final, les terres sauvages, je sais pas si... Mais moi, franchement, j'aime pas ce système de terres sauvages et tout, genre, je m'y perds un peu, tu vois, genre, je sais pas. Je préfère largement ça, moi, des petites zones comme ça, tu cherches dans l'herbe et voilà, basta, tu vois. Un peu plus agréable, quoi. Ah ouais, je peux pas y aller, là. T'avais amené ta DS avec... C'est vrai, je me rappelle. Les gars, j'avais fait un bug, enfin pas un bug, mais je me rappelle plus de quel logiciel j'avais. C'était pas un logiciel, hein. J'avais fait ça en ligne. Bref. Et je m'envoyais des Pokémon avec des Master Ball en objet. Les attaques, ça avait rien à voir avec le Pokémon. Ils étaient tous shiny. Et j'avais ramené ça, mais je me rappelle, chez PA justement, il y en avait. Je lui avais montré mes Pokémon, j'en étais fier, tu sais. Alors que vraiment, il y avait rien à
T'as être fier, hein. C'était pas des Pokémon que j'avais capturés, quoi. 24 heures, tu veux... Ah, peut-être, ouais, je sais pas. On verra bien. De toute façon, je suis pas pressé, hein. Honnêtement, mon but, c'est pas de tryhard le jeu et... Un malade. Ah bah oui, tu peux le dire, ouais. Un fou. Putain. Bon, attends, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Attends, j'ai pas compris, là. Peut-être qu'il faut rentrer dans ça, là? Ah si, voilà, ici. Alors, attends, je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Ah, carte, voilà, merci, super. Merci, mon ami Grande Mèche. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ok. Un dresseur Pokémon sans Pokémètre? Mais tu es une... Enfin... Tu n'as jamais entendu parler de la Pokémètre de la Pokémontre. J'ai appelé ça la Pokémètre. Let's go. GG à moi. Eh bien, tu es vraiment un drôle de cas d'oiseau. Il m'a traité de cas d'oiseau, là. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis fabricant de Pokémontre, vois-tu. Fume-le. Oh, mais je vais le dé... Oh, putain. Je vais me le faire. Il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Mais non, mais tu me l'as fait gratuit, en fait. Tu me... Ouais, c'est tout. Il suffit de trouver 3 arlequins de... Non, bah c'est bon, c'est facile, oh là là. Mais attends, mais tu m'as pris pour qui? Regarde, hop, un là. Coucou. Voilà, oui. Bonne réponse. Vous obtenez le bon 1. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, il y a un arlequin de mémoire, il y en avait un à gauche. Voilà, ici. Bonjour, monsieur. Voilà. Le bon 3, let's go. Ah, voilà le troisième bouffe, enfin le arlequin. Voilà, vas-y, donne-moi la Pokémon, là, hein, avec sa saute. Ah, dans l'école. C'est où l'école, déjà? Je sais même pas où c'est, frère. Ah, attends, où c'est qu'elle est l'école? C'est là, non? Veux-tu m'affronter? Brrr. Non, mais il a, t'as qu'un Pokémon. Abra. Je viens d'avoir mon deuxième... Oh, mais attends, mais Komatsu, attends, ça va pas du tout, on va régler ce problème. Je vais vite level up, en fait. Et je vais te rattraper, Komatsu, d'accord? Mais je vois que la plupart ont pris diamant, les gars. Mais diamant, c'est l'une des meilleures versions. Bon, après, il y aura PH qui dira que c'est perle... Pas l'écouter, vous savez, bon, il est malade en ce moment, donc... Ah, toi aussi, tu es dans la team Tipouf, évidemment. Évidemment, Pingolion. Bah, bien sûr, bon, après, c'est la même personne qui m'a dit hier 24 heures de stream. Ah, d'accord, super, payer un jeu 45€ et le finir en un stream, GG. Faut savoir, PH, faut savoir maintenant, hein. Faut savoir. Bon, alors, lui, je vais lui mettre une petite branlée, en fait. En fait, je vais totalement lui mettre une petite branlée. Pistolet à eau. Allez, le premier combat contre Grande Mèche. Allez, on va lui mettre ce qu'il mérite, les amis. Ok, level 12. Eh bien, Kinder, il va bientôt évoluer, les gars. Il va totalement évoluer, en fait. L'eau contre la plante. Et c'est un échec. Incroyable. C'est étonnant, quand même. Hein. En gros, il est infernal, ce combat. Bah, attention, hein. C'est le combat le plus dur de ma vie. Hein. Oui, de suite. Hein. Je pense de changer de Pokémon, en vrai. Après, tu flexes tes statues, tes statues shiny, ta base secrète. Mais du coup, c'est quoi ce système de team là? Parce que là, j'ai créé un groupe, mais ça veut dire quoi en fait? Oh, il m'a donné de la thunasse là, 1000 et quelques heureux, évidemment. Je te reviens, c'est pas prêt de se reproduire. Bah, si, en fait, tout. Mais attends. C'est quelque chose qui va se reproduire jusqu'à la fin de la game. Diamant et Pearl, t'as pas vraiment de rival genre méchant comme Régis, c'est plus tes potes. Ouais, en vrai c'est un pote, mais bon là apparemment je lui ai foutu le somme comme de l'avoir battu, quoi. Allez, on va attraper des nouveaux Pokémon. Il y a un Abra ici, vous dites? Incroyable! Mais je suis devant en fait! Mais je vais pas pouvoir l'attraper. À mon avis, il va se barrer. Apparemment, il y a un Abra, ouais. Incroyable. Alors, sac. Et qu'est-ce qu'on lui met dans la tronche? Une Pokéball? Mais il va s'enfuir. Incroyable. GG. Abra est attrapé, les amis. Incroyable. Mais vrai. C'est fait, les amis. C'est fait. Par contre, GL pour le capture first try. Je t'ai jamais aimé. Je vous... Eh oui, les gars. Direct. Et femelle, en plus. Je vais pouvoir reproduire. Excellent. Alors, du coup. Comment on va l'appeler? On va l'appeler first try. Histoire de bien foutre le seum et de rappeler à PH... qu'on est les boss, en fait. First try. D'ailleurs, hop, on va l'appeler comme ça. Hop, tac, tac. Voilà. First try. Voilà. Ah, c'est excellent, c'est excellent. De toute façon, j'ai toujours été chanceux sur ce genre de jeu. En tout cas, on fait un 24 heures, donc tu me retrouveras demain. Alors, oh, tu veux te battre? Pas de soucis, monsieur, j'arrive. Je pense, je sais pas si je fais une première version jusqu'à genre... Oh, déjà la première évolution. Attention. Let's go. Krik Zik. Oh, j'ai pas fait. Je lui ai pas donné de surnom à lui. Bon, oui, c'est pas grave. Première évolution, les amis, de ce jeu. Incroyable. Hein. Boum, directement. Magnifique. Un Krik.
Krixik évolue en Melokrik. Incroyable. Kinder, pas quoi qu'il lance, qui lui crache sur le Konotor. Konotor qui se venge en mettant une petite charge. Et après, on lui écrase la face directement. Et ça dégage. Voilà, ça c'est fait. Let's go, en fait. Oh, j'ai perdu, oh là là. Ça c'est Brigitte, ça, tu vois. Non, mais c'est bon, hein, j'ai perdu, j'en ai ras le bonbon, quoi. Lexi, pas shiny, déçu. Bon, après, voilà. Oh. Mais what the fuck, gros. Et pourquoi il y a eu cette animation? Attends, il n'y avait jamais cette animation, si. Jamais fait gaffe. Je le retente, en vrai. Comme ça, je pourrais le donner à PH, hein, vu que lui... Il ne l'a pas. Si je l'ai dû encore une fois, je pense qu'il pète un câble. C'est pour toi, PH. C'est pour toi, PH. Et ça, lui, je vais l'appeler PH. Il est pour toi, PH. Je te l'offre. Sinon, il s'ennuie après. Oula, attends, mais ça, c'est un gros rocher, ça, monsieur, là. Qu'est-ce que c'est? Alors, apparemment, monsieur veut m'offrir une CT, pas du tout. Et si ? La CT98 ! Ma date de naissance, incroyable. C'est l'application capacité secrète. Si tu utilises Éclatroc, via celle-ci, tu pourras briser les rochers qui te bloquent le passage. Pas de soucis, monsieur. Enfin, ça ne fonctionne que si tu possèdes déjà le badge de la reine Charbon. Ok. Car en effet, des badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce, j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. Capacité secrète. Bonjour, monsieur. Ah non, madame, pardon. Nous les dresseurs, nous combattons n'importe où, c'est comme ça. Bah, c'est bien. Eric, ah non, c'était bien un monsieur. Enfin, un petit homme. Ok, oh là, il va me mettre violence. Pour mon Kinder Pingouin. On a pris des abonnés supplémentaires. Super, merci beaucoup les amis pour les abonnements sur YouTube. On continue à progresser. En espérant que le let's play sur Pokémon plaise. Enfin, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, si ce n'est toujours pas fait sur mon YouTube. Il y aura un let's play sur Pokémon là qui va sortir très prochainement. Et pour ceux qui font du Genshin Impact, eh bien en général je fais des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés, des routes de farm optimisées ou encore des conseils. Je donne des conseils et astuces tout simplement sur le jeu. Donc n'hésitez pas à me suivre. Ah, c'est que les modos qui peuvent utiliser la commande. Parce que sinon, ça va être... Ouais, on ouvrira, je pense, les coffrets. On va pas les ouvrir maintenant parce que là, y a pas grand monde. Et puis, autant faire partager ça à tout le monde, quoi. Je pense qu'on les ouvrira demain. Demain après-midi, certainement. Tant que tout le monde se lève. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Alors là, du coup, on est arrivé à la ville suivante. Bilan de cette première étape. Eh bien, les amis, on a réussi à attraper 6 Pokémon, à les faire progresser, plus ou moins. Et on a une belle team, là, avec Kinder Pingouin, Kundan, si tu n'as pas d'aile, Gros Oreille, Melokrik, dont je ne savais pas comment le nommer autrement, et First Try, puisque je l'ai eu du premier coup, alors qu'il est apparemment très dur à avoir du premier coup. Je n'ai pas ressenti la difficulté. Voilà, et du coup, on arrive à cette jolie petite ville, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Sur la carte, on va regarder, on est à Charbon, voilà. Et ça sera certainement la ville du premier badge afin de pouvoir utiliser la CT éclate... Comment elle s'appelle déjà? Éclate caillou? Comment elle s'appelle? Éclate pierre? Je sais plus. Bref, ça va pouvoir nous permettre de défoncer les rochers, quoi. Éclate roc, voilà.